Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Il était une fois. On nous connaît maintenant, hein? Il paraît que vous nous connaissez maintenant. Enfin, sur chaque commentaire de chaque émission qu'on a postée depuis le début de cette aventure, vous n'arrêtez pas de nous demander ce couple. Et aujourd'hui, ils sont là pour nous. Alors, trêve de suspense, bébé, tu les présentes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le couple Lode et Enis Lombo. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Enis. Finalement, on veut découvrir tous les petits recoins que l'on ne connaissait pas. Il était une fois vous. Comment ça a commencé? Qui a commencé? On peut savoir. Deux versions. Toujours. Nous, on aime les deux versions. Que je commence? Non, vas-y, on va entendre ta version. Moi, déjà, les gens d'église et tout, vraiment, j'aimais pas. Vraiment, j'aimais pas, mais avec lui, vraiment, j'avais l'impression de le connaître. C'est comme ça que le courant était passé très... Heureusement que c'était pas la snelle. Il m'a appelé aux États-Unis là-bas chaque jour. On parlait chaque jour, malgré le décalage. Non, j'avais pris la mission, sérieux. Tu peux sauver la vie. Vous n'êtes pas là avec un Dieu m'a dit. Non, jamais. Non. On a fait ça proprement. Pas bah, le Dieu m'a dit, c'est de l'amateurisme. Eh, pas besoin de... En fait, l'un des plus grands obstacles que l'on a eu tout au long de notre relation, c'est la pression extérieure. Il y avait beaucoup de pression extérieure. Tu sentais vraiment que les gens te regardaient pour dire, toi, tu as le courage de venir ici avec le cordon, il t'a même présenté. En fait, tu te dis que c'est qui cette fille, elle vient d'où? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, des batailles comme ça, c'est pas pour moi. Ça, ça le disqualifiait. Mais, toute autre chose... Le qualifié. Je sens l'appel de quelqu'un que je connais pas. Il dit, ah, c'est monsieur... Oui, ah, ok, moi, je suis l'oncle de Venise. J'habite à Londres. On m'a dit que vous deux, là, il y a quelque chose. Bon, petit, je veille sur toi. J'ai recevé des millions d'appels comme ça. Vraiment, la pression extérieure était accablante. Ouais. Et puis, il n'y avait plus rien. Et puis, il n'y avait plus rien. Et puis, voilà, il arriva ce qui arriva. Qu'est-ce qu'il arriva?